Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour un maquillage simple et vite fait. Donc j'ai déjà appliqué mes scotchs et en base j'ai mis le crayon jumbo de chez Sephora, donc le numéro 11. Il est très 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 joli. Voilà. Et ça va être un maquillage très vite fait. Je vais juste rajouter par-dessus le pigment de chez Bourjois, je sais plus le numéro parce que il est très 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 vieux. En fait il fait énormément de fuites, mais ça c'est pas grave, il est pardonnable parce que c'est une magnifique couleur. Je crois que c'était le bleu, je sais plus quoi, le bleu regard, mais il n'est plus commercialisé. Donc c'est pas évident parce que je me maquille à genoux. Voilà, donc je repasse dessus, par-dessus la base que j'ai mis avant. Ça fait un reflet violacé comme ça, bleu violacé. J'enlève un tout petit peu les chutes. Voilà. Et après, dans le coin externe, je vais appliquer le pigment Slick Livid Lilac. Donc c'est un petit rose violet comme ça. Donc vraiment dans le coin externe et en banane. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai juste appliqué le eyeliner de chez L'Oréal, celui-ci. Donc tout autour de l'œil. Et je vais appliquer le crayon dans les muqueuses de chez Front Cover. Ensuite, recourbe-cils et mascara de chez Sephora. Et je vous montre les photos. Et voilà donc le résultat. Gros bisous, ciao.